Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'arrive un petit peu après la fête, mais aujourd'hui je voudrais vraiment vous parler du MacBook Pro 16 pouces, le tout nouveau portable de chez Apple qui est censé résoudre un peu tous les problèmes qu'il y avait avec les MacBook Pro depuis 2015 ou même 2016. Est-ce que c'est vraiment le cas? On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti! Alors on va commencer par le design et par une évolution qui n'est pas tellement dans les habitudes d'Apple, c'est-à-dire que ce MacBook Pro est plus épais, plus lourd et de manière générale plus massif que la précédente génération. Alors ça se voit sur le papier, sur les chiffres et tout, mais est-ce que ça se ressent au quotidien? Honnêtement, oui, mais c'est pas si abusé que ça, c'est-à-dire qu'on revient juste aux dimensions des MacBook Pro de 2012 à 2015, qui étaient totalement correctes, hein, ils étaient vraiment assez compacts, mais ça se ressent quand même. À part ça, le design reste quand même très similaire. On a toujours ce bloc d'aluminium unibody proposé en argent ou en gris sidéral, ce trackpad ultra agréable et la touch bar. Ça, à vous de voir ce que vous en pensez. Moi, je m'en fiche un petit peu, honnêtement. S'il y avait une option pour l'avoir et payer 300 euros de moins, je la prendrais sans hésiter. Bon, on va pas tourner autour du pot plus longtemps et on va parler de la chose que tout le monde attendait de ce modèle-là, le clavier. Ah, le clavier. Donc en 2015, Apple a présenté le MacBook 12 pouces, donc le MacBook ultra fin, ultra léger, qui était accompagné de la première génération du clavier papillon. Cette génération, elle a été uniquement faite sur ce MacBook-là, mais il y a une seconde génération qui est arrivée un an et demi plus tard et qui a été étendue cette fois au MacBook Pro, et c'est là que les problèmes ont commencé. Donc en plus de se plaindre du bruit des premières générations, vous savez, si vous avez été à la fac, vous avez forcément entendu des gros claques partout dans l'amphi, les utilisateurs ont été confrontés à des problèmes comme les touches qui restaient collées ou bloquées ou qui doublaient les touches, et 3 ans et demi plus tard, ce problème n'a toujours pas été résolu malgré 4 générations de claviers papillon. On a toujours ce problème là, et du coup pour ce MacBook Pro 16 pouces, Apple a totalement abandonné le clavier papillon et retourne sur le clavier à ciseaux qu'on connaissait sur tous les Macs avant 2015. Alors bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce clavier? Il est génial tout simplement, hein. C'est sûrement le meilleur clavier qu'Apple ait jamais fait. On retrouve quand même quelques avantages du clavier papillon, comme le rétroéclairage à une LED par touche et une course qui est assez stable quand même. Mais on retrouve aussi la fiabilité tout simplement et la distance de course assez importante du clavier à ciseaux. Et ça, c'est vraiment un pur bonheur. Alors on a 2 autres changements quand même aux extrémités de la touch bar. Donc vous savez, cette petite barre tactile qui sert pas à grand chose. On a une touche Escape physique, donc ça, les développeurs vont être super contents, et même je pense tous les utilisateurs, parce que c'était vraiment super chiant. En plus la touch bar, ça frise tout le temps, c'est insupportable. Et on a aussi un Touch ID qui a une finition mat plutôt que brillante, donc ça prendra moins les traces de doigts, franchement c'est que du bénéf. Hein. Bon, et puis évidemment, quand on passe d'un MacBook Pro 15 pouces à un 16 pouces, on pourrait se dire que la plus grosse différence vient de la taille de l'écran. Et bah honnêtement, c'est peut-être le truc qui se fait le moins ressentir. On gagne juste 0,6 pouces de différence de taille d'écran, je crois. Les bords sont un peu plus fins et beaucoup plus modernes. Et on gagne un petit peu en confort de travail, mais honnêtement, c'est vraiment pas énorme. Il y a vraiment des trucs qui se font beaucoup plus ressentir sur ce MacBook Pro. Et puis un des points qui est assez impressionnant sur ce Mac, c'est la partie audio. Donc vous avez déjà 3 micros qui ont été améliorés et qui sont censés être de qualité studio. Soi-disant, vous pourriez enregistrer des podcasts avec ou ce genre de choses. J'irai pas jusque là, mais c'est très bien pour enregistrer la voix off de vos vidéos YouTube ou alors pour passer des appels FaceTime. Franchement, ils sont quand même bien améliorés par rapport à la précédente génération. Et puis le point qui se fait le plus ressentir, c'est vraiment les haut-parleurs. Là, honnêtement, c'est ultra impressionnant. Genre, ils sont vraiment bluffants. Je peux pas trop vous le faire ressentir parce que je vous mettrai un petit exemple, hein, mais ça passe par un micro, puis ensuite c'est par des haut-parleurs, puis ou des écouteurs. Honnêtement, c'est trop compliqué. Mais honnêtement, croyez-moi, ils sont vraiment ultra impressionnants. Vous pouvez facilement sonoriser une petite pièce, comme là, ma chambre, j'utilise que ces haut-parleurs pour écouter de la musique ou regarder des vidéos. C'est juste top. We must confront the reality of interstellar travel. Murph, I love you. Forever. Et vu que c'est un modèle pour professionnels, un MacBook Pro professionnel, on est obligé de parler des performances. Honnêtement, perso, c'est pas le truc que j'ai le plus ressenti parce que j'ai vraiment une utilisation assez légère de ma machine. Je vais pas faire des gros montages en 8K ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même remarqué par rapport à mon ancien MacBook Pro 15 pouces qui datait de 2018, qui chauffe moins et que les haut-parleurs sont beaucoup plus silencieux. Ça, c'est vraiment quand même super agréable. On sent qu'il y a un flux d'air qui est quand même assez plus important dans la machine. C'est l'avantage de la voix rétrécie un petit peu, quoi.
D'ailleurs, moi, c'est la configuration entrée de gamme que j'ai achetée et je pense vraiment que ça fait hyper longtemps qu'Apple n'a pas proposé une configuration en entrée de gamme qui était aussi intéressante. Là, pour le même prix que le Mac Pro 15 pouces, on a un processeur qui est tout aussi puissant, mais un ordinateur qui arrive plus à exploiter la puissance de ce processeur grâce au flux d'air accru qui permet de mieux monter dans les performances. On a toujours 16 Go de RAM et surtout, là où ça fait vraiment plaisir, c'est 512 Go de stockage interne, donc le double du 15 pouces qui était à 512, à 256 Go. Et ça, c'est vraiment top. Sur la configuration qui est plus chère, donc à 3 199 €, je crois qu'on a 1 Tera de stockage d'interne direct et puis un processeur i9. Là, c'est vraiment top, honnêtement. Apple est enfin raisonnable sur les configurations de base et j'espère que ça va s'étendre sur le MacBook Pro 13 pouces. Sur le MacBook Air et surtout sur l'iMac qui est toujours vendu avec un disque dur en 2020. Alors évidemment, à partir de cette configuration, vous avez énormément d'options avec un i9, une carte graphique beaucoup plus puissante, 64 Go de RAM et jusqu'à 8 Tera de stockage interne. C'est vraiment incroyable sur un ordinateur portable de pouvoir avoir 8 Tera de stockage à l'intérieur comme ça. Faut vraiment avoir le besoin qui va avec, mais je trouve ça vraiment ouf. Bon, évidemment, pour tout ça, le porte-monnaie va danser, hein, mais si vous êtes un professionnel, ça vaut peut-être le coup, suivant vos besoins. À vous de voir pour ça. Alors, du coup, bah, qu'est-ce que j'en pense de ce MacBook Pro 16 pouces? Eh bah, écoutez, c'est honnêtement le meilleur Mac que j'ai jamais eu. En point négatif, qu'est-ce que je pourrais dire? À part que, bon, il n'y a pas de Face ID, quoi, mais bon, c'est très difficile de faire rentrer le capteur TrueDepth dans le petit écran du MacBook, dans l'écran super fin. Et surtout, l'absence de lecteur de carte SD, ça c'est vraiment insupportable. Quand vous êtes un photographe, que quelqu'un qui bosse avec de la vidéo, c'est tellement pratique de pouvoir juste rentrer la carte SD dans l'ordinateur. Là honnêtement, il y aurait tellement eu la place de pouvoir le mettre, je comprends pas pourquoi Apple ne le fait pas. Il y a le port de, y a toujours le port jack pour les musiciens, il n'y a pas le port de carte SD pour les vidéastes. C'est dommage, honnêtement, c'est juste super dommage. Mais au-delà du port de carte SD, vous l'aurez compris, il est vraiment extrêmement surdimensionné par rapport à mes besoins. Je n'utilise pas à 15% de ce qu'il pourrait faire, et c'est là que j'attends vraiment, s'il vous plaît, un MacBook Pro 14 pouces avec tous les avantages du MacBook Pro 16 pouces, donc le nouveau clavier, le design peut-être un peu plus grand, un peu plus épais, mais qui tire mieux parti des performances. Et pourquoi pas un écran un peu plus grand, quoi. Vous passez de 13 pouces à 14 pouces, ça serait vraiment top. Il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait arriver dans les prochaines semaines, là. Je croise mes doigts parce que honnêtement, les gars, ça, je le commande direct. En tout cas, voilà, c'était mon avis et mon petit test du MacBook Pro 16 pouces. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!